Sili National de Guinée. Ah non, mais franchement, vous découragez les Guinéens. Avec tout ce stress sur les Guinéens, nous comptons sur vous pour nous apporter la joie, le Sili National. Face à l'Algérie, une grande nation, vous battez l'Algérie. Mais vous êtes incapable de battre Mozambique. Non, mais franchement, le Sili National, vous êtes vraiment de la merde. Non, mais franchement. Mais comme on ne peut pas renier à sa nationalité, sans quoi? Franchement, ça, c'est quel genre d'équipe, ça? C'est mieux que vous restez même dans vos clubs là-bas, c'est mieux. Mais qu'on ne prenne pas l'argent du contribuable. Avec tous ces problèmes dans le pays. Non, mais franchement, vous décevez les gens, Sili National. Un match aussi facile. Mais il n'y a même pas de détermination. Vous ne pensez pas à ces 13 millions de Guinéens. Non, mais franchement, Sili Normand Mireille Faradego, je vais enlever, c'est-à-dire, ne plus, je vais parler politique, mais affaire des ballons là, il faut que on quitte dedans. C'est-à-dire, sinon, ce qui arrive aux supporters de Barça, c'est ce qui va nous arriver. Sili National, Barcelone. Ils vont bien jouer, ils vont perdre. Ils jouent bien, ils perdent. Sili, c'est comme Barcelone. Au départ, moi j'ai vu le début du match, j'ai dit non, non, ça là, on va taper 3-0. Déjà, c'est pour juste faire des touches-touches et on vient les gagner à la dernière minute. Si c'est pas Barcelone, qui peut faire ça? Hein? Regardez le Ghana. Regardez le Ghana. Hein. Ils étaient menés. Le Ghana. Ils étaient menés. Ils ont égalisé et gagné le match. Hein? Le Ghana était mené. Le Ghana a égalisé. Et ils ont gagné le match. Vous avez, comment on appelle, plateau d'or. Le match qui était difficile pour vous. Allez battre l'Algérie. Vous partez battre l'Algérie. Au lieu de gagner le reste des matchs maintenant. Poro. Non, mais franchement, Poro, Sili National. Autant nom à la Guinée, quand il faut regarder. Déjà, je vais tourner, je vais faire. Ça dit, non, mais franchement, on est dessus de vous. Hein. On est dessus de vous. Sili National, et après c'est fini. Hein? Toi qui dis que je connais bien Barcelone, je connais bien Barcelone, vous avez fait quoi en Ligue des Champions? Si vous n'êtes pas Barcelone, vous les Barcelonais, vous avez gagné quoi? Cette année-là, vous avez gagné quoi? Vous n'êtes pas comparable au Sili National. J'ai dit Barcelone. Vous n'êtes pas comparable, Sili National et Barcelone, c'est pas la même chose. Vous avez gagné quoi cette année, dites-nous. Vous avez gagné un trophée. Gaïe, quand j'ai dit le nom de Barcelone. Non, mais franchement. Non. Ça dit. Dieu merci, même, je n'ai pas regardé le reste du match. Moi, j'étais tellement convaincu que non, ça allait être une victoire. Et moi-même, je vais même. Pour ceux qui ont vu mon poste, j'ai dit que match nul même. J'étais fâché match nul. J'ai mis net. J'ai dit match nul. Il y a d'autres qui répliquent en même temps. Quand il y a pénalty. Ah ouais, j'ai dit là c'est bon. Match nul, j'étais énervé. Ah ouais, défaite là, je vais faire quoi maintenant? Je vais dire quoi? Hein? Mozambique. 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 Même si on prenait Oroya pour aller jouer, voilà, il n'allait pas perdre. Même si on prenait un club. Un club, il n'allait pas perdre. Mais les gars jouent, il n'y a pas de détermination. Le Ghana était mené. Hein? Mais eux, ils ont remonté pour gagner le match, je crois, 4-2. Non, mais franchement, ah là, on est dessus. Hein? Ça que c'est fini. Hein? Vous allez gagner quoi encore? Vous faites une belle prestation contre l'Algérie. Tout le monde est content. On a oublié tout ce qui s'est passé.
au lieu de mettre en tête que non, vous êtes supérieur par rapport à ces gens-là. Maîtrisez le jeu. Ils vont faire du jeu, du brouillon seulement, pour embrouiller tout le monde. Même si on partait faire une sélection dans mon village, à Damaro, wallah, ils n'allaient même pas perdre contre l'équipe. Même si c'était dans mon village, on avait sélectionné des gens là-bas pour aller jouer, ils n'allaient pas perdre. Équipe nationale, Sili nationale, Mozambique, Allah. Est-ce que CAN passait même, ils étaient là-bas? La CAN passait. Mozambique. Hein? Non, mais franchement. Non, le Sili n'a pas honte. Sili nationale n'a même pas honte. Non, franchement. Oh, man, aimerait Rao Kombi, Mreo Kombi, man, aimerait Barakono, Oman. Ça, ce n'est pas des matchs qu'il fallait perdre. Ça, ce n'est pas un match même qu'on devait perdre. Non. Ouma Bari, l'équipe qui c'est-à-dire les supporters qui sont habitués à la défaite, c'est Bassa. Moubara Fala. Hein? Parce que la manière dont le cœur des supporters de Bassa supporte la défaite, et c'est comme ça aussi le Sili National. Si tu as le cœur de supporter Bassa, il faut supporter Sili National. Hein? Donc, nous sommes vraiment dessus d'eux. Ça, il faut le dire. Hein? Kaba Diawara, vous n'avez rien fait. N'oubliez pas que c'est l'argent des Guinéens. Vous ne cotisez pas, vous ne prenez pas l'argent de vos clubs pour aller jouer ou faire ces matchs-là. C'est l'argent du contribuable guinéen. Des milliards et des milliards qui sont dépensés. Des milliards. Cet argent, on pouvait prendre ça pour rénover des écoles. Pour faire certaines choses avec cet argent. Pendant que des enseignants ne sont pas payés. Mais on prend tout cet argent pour que vous vous apportez la joie aux Guinéens. Et un match que nous-mêmes, on se dit, ah, vous gagnez, vous ne gagnez pas, c'est pas ça. Et d'ailleurs, vous partez perdre pour nous énerver encore. Ça, c'est le match où vous devez gagner. Le match même où on est assis, on est tranquille. Ah non, on va taper ces gens-là. Contre l'Algérie, vous perdez. Personne n'allait même se fâcher. Vous perdez contre l'Algérie. On allait dire, ah, c'est pas grave. Voilà, ils se sont battus. Voilà, ils jouent pas à domicile. Mais vous partez, vous gagnez. Vous supprimez tout le monde. On est content. On est confiant. Après avoir gagné contre l'Algérie, un match facile. Bande de nullards. Vous partez où y était Massimfé. Benoura ballon bombo, détermination. Au but, sa première mi-temps. Pour dire, première mi-temps, Mamet Moura Bussa. Adé. Non, mais franchement, équipe de Moura Falaubert dit, autant de vous n'avez rien joué. Rien. Kobila Doro. Kobila. Kobila, au Kobi, Mozambique. Mozambique. Allah. Mozambique. Mozambique n'était même pas à la CAN passée là. Eh, Mozambique. Mais quand il est dans la Guinée, il y a un Mozambique colo. Il n'a pas la Mozambique et ma colo. Hein? Mozambique, petit pays, n'est en affaire autant bombo. Sili national. Tous ces grands, autant de rébellés CAN. Non, vous êtes des vauriens. Faut mourir à Falaubert. Au Kobi. Zéro. Mourir à Falaubert. Kobi là. Sili national. Au Kobi. Faut mourir à Falaubert. N'oubliez pas, hein, c'est l'argent des Guinéens. Hôtel au Dogoma, hôtel Narankwe. Prochainement, cotisez, vous allez jouer. Nata, Mikyomu, Mawarasono. Prenez l'argent que vous gagnez dans vos clubs en Europe. Si c'était votre argent, vous allez jouer. Mais comme état Tongoma, Koprime, Kobila et Matombe, Okobi, avec tous ces grands noms dans l'équipe, Okobi, Mozambique, Mozambique. Non, ils ne sont pas déterminés. C'est-à-dire, ceci la joue, non. Non, mais franchement, quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, mais non, déjà, c'est le national, ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Dieu m'a changé ma yacht. Il m'a changé.
C'est-à-dire où vous vous attendez à la victoire du Sili, c'est là-bas même ils vont aller. Car crise, si toi tu es malade, une crise cardiaque piquée maintenant, directement. Et non, même refroidé. Je me rappelle un ami, une canne là. Tellement que si les raffinés ont affaté à tous Nyagali, il est sorti à ce accident là-bas à Louakoui. Nabiri Nabama, équipe Nagangakri. Et le jeune, c'était le seul garçon. Le seul garçon. De sa maman, les jeunes de Kisoso Biriakolo. Yeah. Non. Diara, comment on peut manger? Franchement, c'est énervant. Hein? Il y a quelques jours, nous étions tous contents. Au moins, le Sili avait dégagé un peu le stress des Guinéens. Malgré que le pays, rien ne va. Mais la victoire face à l'Algérie, nakhone nganna mu faté quoi ande to siga mais die matoto et mambara famega khone on a oublié cette victoire de l'Algérie et mambara multiplié. Si le Brésil nous bat, on peut comprendre. Côte d'Ivoire, on peut comprendre un peu, mais Mozambique vient nous, et puis c'est comme si le Sili jouait à domicile. C'est comme si le Sili national jouait à domicile pour perdre le match contre Mozambique. Au Kobi. C'est Maba. Non, mais franchement, c'est fini. Hein? Il y a quel espoir maintenant pour cette qualification? Ils avaient déjà perdu un match. Actuellement, ils étaient en égalité avec l'Algérie. La victoire contre l'Algérie, et s'ils gagnaient aujourd'hui, ils étaient bien positionnés. Même si l'Algérie gagnait, ils allaient avoir tous 9 points. On pouvait espérer. On va espérer quoi maintenant? Allez-y faire les calculs mathématiques. C'est pas mieux qu'eux-mêmes, ils abandonnent. Par forfait, c'est mieux. Qu'on dise que non, ils n'ont même pas d'argent. C'est bien qu'on ne prenne pas l'argent des Guinéens pour aller les loger dans les hôtels, à manger, à payer des billets pour eux. Toi qui dis courage là, restez dans vos conneries là-bas, courage. Ça c'est une équipe où on devait perdre. Face à Mozambique. Quand tu gagnes, on te gagne. Oui. Ça c'est vraiment l'analyse des tocards ça. Si on perdait face à l'Algérie, personne n'allait parler. On allait comprendre. Mais toi, tu sais qu'une équipe, regardez nos joueurs, le pays même, pour dire que c'est Mozambique qui vient nous battre, et vous allez dire que non, football, on gagne. Et on gagne ou on perd, n'importe quoi, ouais. N'importe quoi. Il y a de ces équipes que tu dois gagner. Il y a des équipes, s'ils te battent, on peut comprendre. Si le Brésil bat la Guinée, on peut comprendre. Mais venez dire que non, on gagne, on perd. Non, ça c'est pas Mozambique ça. Mozambique vient nous battre, puis tu dis que non, on doit accepter. Accepter quoi? C'est pourquoi les Vauriens sont en train de traîner là-bas. Vous pensez que tout est la même. On a enlevé les civils, maintenant les Vauriens sont là-bas. C'est pareil, votre analyse c'est comme ça. Il faut accepter la défaite, on va continuer dans ça. En tout cas, si vous avez accepté là, vous avez des intérêts dedans, c'est votre affaire. Nous, on est choqués, on est dessus. Il faut les rappeler qu'ils doivent changer. Ça, là, c'est pas une équipe. Hein. Ça, c'est pas une équipe. Compétition, qualification, Coupe du Monde. Ici, et puis, derrière même, ce qui me fait mal, tout ça, là, c'était d'être l'un des grands supporters du Sili ici aux États-Unis. Dans mon état, à New Jersey, la Coupe du Monde, ça se passe Canada, Mexique, États-Unis. La Coupe du Monde à venir, c'est aux États-Unis. La finale se joue aux États-Unis ici. La Coupe du Monde à venir. Et regarde tous ces Guinéens ici. Hein? Nous souhaitons que le Sili se qualifie. On va mobiliser les Guinéens ici, aux États-Unis. Parce que ça se passe ici, au Canada,
Et puis, au Mexique, c'est facile qu'on se déplace, aller dans ces pays-là. Allez supporter le Chili national. Hein? La finale se jouera à New Jersey, ici. La finale va se jouer à New Jersey. Non, mais franchement, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Espérons. Parce que si eux, ils ne peuvent pas, au moins les pays limitrophes, là, arrivent à se qualifier, le Sénégal, le Mali, où la Côte d'Ivoire se qualifie. Voilà. Non, Fatoumata, oui. L'État de New Jersey est collé à l'État de New York. C'est juste à côté. Et le stade où ils doivent jouer, c'est juste à côté de New York, à 20 minutes ou même 15 minutes de New York. Donc, c'est juste à côté. Et il y a une forte colonie guinéenne à Newark, là-bas, dans le New Jersey. Il y a les Guinéens à Trenton, New Jersey. Ici, Philadelphie, il y a beaucoup. New York, on n'en parle pas. Même ceux de Connecticut peuvent aller. Washington. Mais on vient gâcher le rêve d'aller supporter son équipe, d'être fier pour dire « La Guinée est en Coupe du Monde !» Mais ça dit, il n'y a même pas de détermination. Qualification. Compétition, même qu'on perd, je peux comprendre. Mais la qualification, les joueurs doivent être déterminés. Déterminé. Donc, moi, je vais vous laisser. Non, Mode Africa, c'est ce que j'ai dit. La Guinée, tactiquement, on dépasse Mozambique sur tous les plans. Sur tous les plans. On devait perdre un match, ce n'était pas contre Mozambique. On devait perdre, ce n'était pas contre Mozambique. On devait perdre, mais ce n'est pas cette équipe de Sili National. Ne devait pas perdre. Regardez comment ils ont joué contre Algérie. Ils ont bien joué. Personne n'a parlé. Mais tellement qu'ils étaient libres dans la tête qu'ils ont tapé l'Algérie, c'est fini. Tous les autres là, ils vont marcher sur eux. Ah ouais. Mais on vous a mal battu. Hein. Ce qui fait mal, ça, la dernière minute. Quand on marque un but à la première mi-temps, au moins, vous regardez, vous espérez. Ça est déjà dans la tête, la défaite est là. Mais lorsque vous êtes en train de dire, ah, peut-être qu'on va marquer un but à la dernière minute. Et on vient vous marquer. Là, ça fait mal. Hein. On vous marque. Premier mi-temps, vous regardez le match, vous espérez gagner. Le match se termine. Déjà, vous étiez vacciné. Mais à la dernière minute, vous vous dites, les dernières minutes, mon équipe peut marquer. On vient vous marquer. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, c'est ce qui nous fait mal actuellement. Là. Mozambique. Mozambique. Donc, moi, je vais vous laisser. Franchement, je suis dessus de notre équipe nationale. Hein. Nous sommes dessus du Sili National. Franchement. Leur poule, là, leur poule, c'était jouable. Après avoir battu l'Algérie, tout le reste, là, on devait presque gagner tous les matchs. Là. Même si il restait un dernier match face à l'Algérie. Ça devait être la finale. Comme les Pascal, une fois pour une qualification pour la Coupe d'Afrique. La Guinée devait gagner l'Algérie. Les Pascal Fendino, là, les Faux de Massaré, ils ont été en Algérie. Ils ont battu l'Algérie. 2-0. Ils se sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Donc c'était possible pour dire que même si le dernier match de la Guinée pour se qualifier en Coupe du Monde dépendait de l'Algérie. Mais regardez. Poro! Match facile. Où la Maora équipe n'aurait bombo. Au lieu de fatiguer même les Algériens, il fallait les laisser. Eux au moins, à chaque fois, ils jouent bien en Coupe du Monde. Mais vous venez, vous barrez la route devant l'Algérie et vous êtes incapables de battre les petites équipes. Namibie, Mozambique les a battus. Mozambique, non mais Sili même, c'est foutaise. Namibie, Mozambique, c'est eux qui vous battent. Namibie, Mozambique. Tiens, non seulement que pourquoi les matchs se jouent. Depuis les bandits sont venus, ils ont entretenu les stades. Depuis qu'ils sont venus là. Est-ce qu'ils ont entretenu les stades 28 septembre? Genas, là ça n'a compté. Au lieu de dire que pourquoi ils jouent. Mais c'est très simple. Nos stades là, quand il y a eu le coup d'état, ils ont tout abandonné. Donc on ne pouvait pas jouer des matchs. La CAF, ils envoient des gens pour venir inspecter tout. Donc, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas jouer là-bas.
Donc c'est pourquoi ils n'ont pas joué de match. Non. Ousmane Kondé, quand la Guinée a gagné, ils sont au cimetière déjà. Toi, tu parles de gagner. On nous a battu à la dernière minute. À la dernière minute. C'est-à-dire, on dit le match est fini. Moi-même, j'ai posté, j'ai dit match nul. Je vois les commentaires pour dire que non, il y a pénalty pour Mozambique. Ah ouais, c'est là même, j'ai vite effacé mon poste. J'avais mis un poste, j'ai dit match nul. Ça, au moins, on avait un point. Match nul, on avait un point. Et on vient nous marquer un pénalty. Donc, les gars, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Demain, Inch'Allah, on se reprend pour d'autres lives. Franchement, le Sili nous a déçus. Donc, le général n'a plus de force ce soir-là pour parler des bandits de Conakry.